Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, ayons tous un mot de gratitude ou gratitude radicale, si vous voulez. Bien-aimés, la gratitude radicale signifie que vous allez traverser la vie en étant reconnaissant dans toutes les situations, peu importe quoi. Quand les temps sont bons, mauvais, favorables ou pas, peu importe. Vous pouvez développer une attitude de gratitude en choisissant d'être reconnaissant dans chaque situation. Bien-aimés, savez-vous ce que signifie le mot « appréciation » ? Si vous avez déjà acheté une voiture, vous connaissez le sens de l'amortissement. Au moment où vous le sortez du lot, il vaut moins que ce que vous avez payé, même s'il s'agit d'un véhicule tout neuf. Dépréciation signifie diminuer en valeur. Appréciation signifie augmenter la valeur. C'est ce que vous faites à travers votre ministère et votre vie. Bien-aimés, lorsque vous appréciez votre conjoint, vous augmentez sa valeur. Lorsque vous appréciez vos enfants, vous augmentez leur valeur. Lorsque vous appréciez votre équipe qui vous accompagne dans votre ministère, vous augmentez leur valeur pour vous et votre église. Lorsque vous appréciez vos congrégations, vous augmentez leur valeur. Bien-aimés, le ministère de l'appréciation augmente la valeur des personnes. C'est pourquoi Dieu dit que la gratitude radicale est un ministère. Vous pouvez faire un ministère qui augmente la valeur des gens simplement en les appréciant. Bien-aimés, tout le monde dans la vie a besoin d'encouragement. Nous avons tous un profond besoin d'être affirmés, aimés et appréciés. Éphésiens 4, 29 dit « Ne laissez aucune parole malsaine sortir de votre bouche, mais seulement ce qui est utile pour construire les autres selon leurs besoins, afin que cela profite à ceux qui écoutent. » Bien-aimés, si vous voulez être utilisé par Dieu, voici un moyen. Affirmissez tout le monde, appréciez tout le monde, montrez votre gratitude à tout le monde. C'est la recette pour la croissance spirituelle et le progrès. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.